tous ceux qui nous rejoignent avant la 27e journée de Ligue 1 qui va emmener le club de la capitale du côté de Marseille. Je suis avec David et le coach Luis Enrique qui nous a rejoint. That's right. Let's get straight into it. Coach, you're just getting your team back. Very little time to think. 5 matches in 2.5 weeks, including the Classique, Coupe de France semi-final, of course, the Champions League doubleheader against Barcelona. How do you develop a global strategy for these matches ahead? No hay una estrategia global, hay una estrategia individual de centrarnos en el próximo partido. Sí que es cierto que en los jugadores cada caso es tratado de manera global, ahí sí, para ver cómo está cada jugador físicamente, mentalmente, para ver si los jugadores que están recuperando de esa lesión pueden estar, pero nos centramos en preparar el partido como cada partido anterior de la temporada. El próximo es el del Marsella, el clásico. Nos olvidamos de lo demás. Oui, alors en fait, le coach n'a pas de stratégie globale. En fait, c'est un petit peu comme tous les matchs. Il va prendre match après match. Le prochain, c'est Marseille. Même si pour les joueurs, il faut forcément réfléchir à chaque joueur, comment est-ce qu'il va mentalement, physiquement, comment il récupère de la trêve internationale. Mais il n'y a pas de stratégie, en tout cas, globale pour ces donc 5 matchs en 2 semaines et demie dans la Coupe de France, dans la Ligue des Champions et dans la Ligue 1. Coach, un classique à Marseille, ce sera une première pour vous, mais vous avez déjà joué un classique en première partie de saison. On rappelle, victoire 4-0 et surtout aucun carton jaune dans les rangs parisiens. Est-ce que c'est un axe de travail aussi de devoir garder l'équipe calme? Et est-ce que le match aller est un match référence pour ça? Son partidos muy diferentes por lo que implica la rivalidad entre los clubes, entre los aficionados. Y es cierto que controlar tus emociones en ese tipo de partidos es clave y vital. Nos encanta jugar ese tipo de partidos porque son partidos que dejan siempre una huella y muy motivados para después de la tregua internacional pues presentar un equipo con garantías de que pueda ganar el partido. Et oui, ce sont forcément toujours des matchs un petit peu différents, mais ce sont des matchs aussi où il va falloir gérer un petit peu les nerfs et garder l'équipe calme. Mais c'est un match en tout cas très motivant que nous allons disputer après cette trêve internationale, David. That's right. Coach, after the break, Marseille have announced a lot of injuries that could field an entirely new 11. It could be a lot of surprises. Does that change the preparation at all for the match? No, para nada. No solemos pensar y mirar lo que hace el rival. Es cierto que tienen toda su banda derecha con jugadores lesionados, tiene otros jugadores que se pueden incorporar. Nuestra estrategia es igual, independientemente de qué jugador del equipo rival vaya a jugar. Es evidente que siempre damos información a los jugadores sobre el perfil de esos jugadores, pero nuestro objetivo es el mismo siempre y miramos más a nosotros que al rival. Y el coach aussi aime bien les surprises, hein? Por supuesto. Voilà, voilà, toujours des surprises. Good luck, coach. Merci, coach. Bonne reprise. Première conférence de presse après cette trêve internationale. David lui demandait finalement, après la trêve, Marseille a annoncé de nombreuses blessures. Jean-Louis Gasset en déplore notamment 7 et 4 incertains. David lui demandait, est-ce qu'il va du coup comment est-ce qu'on s'adapte à un 11 qui devrait être complètement indie? Est-ce que ça change sa manière de préparer le match? Et le coach a dit non, ça ne change pas ma manière de préparer le match. Il y a des individualités qui peuvent changer, mais globalement, il sait à quelle équipe de Marseille il va avoir affaire, quoi. Yeah, coach has been very consistent basically all season that we stay with our philosophy. It might change a little bit per match, but we stay there. Coach is there, we'll let you listen in. À tout de suite. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro. Gracias. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Je voulais savoir, à vos yeux, quel est le match le plus important entre ce match de championnat demain, qui est l'un des plus attendus de la saison, et vous avez une avance assez intéressante en championnat, et puis le match de la demi-finale de Coupe de France que vous allez jouer 3 jours plus tard, qui est un match éliminatoire. Mais vous ne pouvez pas me répondre les deux, parce que c'est une réponse qui est trop facile. Merci. Donc c'est une question avec des conditions, je ne peux pas dire ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Le seul match qui existe, c'est celui de demain. À
Alice Lefebvre de l'AFP. Après la trêve, pouvez-vous faire un petit point sur les retours? Marquinhos sera-t-il apte dimanche, tout comme Milan Skriniar? Et concernant Bradley Barcola, on est sur quel type de, enfin quelle longueur de, d'indisponibilité? Merci beaucoup. Je ne peux pas parler de durée, c'est quelque chose qu'on laisse entre les mains des médecins et du joueur. C'est privé, c'est personnel. Ça appartient au joueur dans ce cas-là. Mais je crois vraiment que tout au long de cette trêve internationale, les joueurs sont tous presque à disposition pour demain. Demain, vous verrez quelle est la liste des convoqués. Mais ils sont tous presque en condition de compétition parfaite. Mais maintenant, nous avons besoin de voir dans le processus de la semaine quel est le timing idéal pour qu'ils puissent revenir. Car nous sommes en train de jouer les titres de la saison. Donc il y a un moment de la saison où tu peux choisir ce qui est mieux pour le joueur. Mais maintenant, on est en train de choisir ce qui est le mieux pour l'équipe. De quoi a besoin l'équipe? Parce que les compétitions sont ce qu'elles sont. Et nous avons besoin de gagner tous les matchs qui restent et toutes les compétitions qui restent. Et c'est pour ça que l'équipe passe au-dessus de l'intérêt personnel. Mais je répète que si je dois parler en termes de ce que j'ai vu lors de l'entraînement d'hier, c'était tout à fait spectaculaire le rythme de tout le monde à l'entraînement. Je les vois, je crois qu'ils sont tous susceptibles d'entrer et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Enrique, bonjour. Marc Méchenois du Parisien. Après Montpellier, il y a une stat qui a été révélée qui explique que le Paris Saint-Germain est l'équipe qui marque le plus de buts en dehors de la surface de réparation dans les cinq grands championnats. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est un exercice que vous travaillez à l'entraînement? Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui se passe à l'entraînement de ce point de vue-là? Et pourquoi c'est important que cette équipe marque en dehors de la surface de réparation? Merci. Une équipe de football doit avoir des recours et tirer profit de toutes les caractéristiques qu'elle a. Donc ça dépend du type de match, ça dépend de la défense de l'adversaire. Parfois, il vaut mieux faire des centres, centre-tirs, tirs à distance. Donc nous, on a des phases d'attaque, on travaille toutes sortes de types d'attaques. Mais c'est vrai que c'est une statistique importante parce que les joueurs sont très bons sur cet aspect du jeu. Un joueur comme Vitinha, Kanginli, Kylian Mbappé, peut-être Marco Asensio, Colomani, Gonzalo Ramos, ce sont des joueurs qui sont capables de tirer à distance et on n'insiste pas particulièrement là-dessus. Et au fil de la semaine, on a abordé différentes situations de jeu qu'on veut voir pendant le match, mais pour ces but en dehors de la surface de réparation, ça dépend évidemment exclusivement de la qualité des joueurs. Certains joueurs sont capables de le faire, d'autres pas. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC, tout au fond derrière les caméras. Est-ce qu'il est possible sur un match comme celui-là contre Marseille, avec historiquement, et ça vous avez sans doute dû le mesurer, une attente très très forte des supporters parisiens, de se passer d'un Kylian Mbappé titulaire? Merci beaucoup. Tout est possible dans la vie. Ce dont je suis conscient, et ça fait déjà quelques mois que je suis là, c'est que je suis très conscient de l'importance du classique pour nos supporters, pour le club, cette rivalité historique. Et donc, bien sûr, mon désir, c'est que tout se passe pour le mieux, qu'il y ait du spectacle, qu'on voit un grand match de foot entre deux très bonnes équipes. Et notre objectif, évidemment, c'est d'aller gagner ce match, de nous rapprocher encore plus du titre de Ligue et de gagner contre notre éternel rival. Ça, c'est notre objectif, évidemment. Mais bien sûr, en tant que responsable de mon équipe, responsable au sein du club, je dois voir très clairement ce match, mais avoir aussi une vision générale de ce qui est mieux pour nous. Ça, c'est mon travail. Donc, je dois prendre des décisions et je le ferai en pensant à ce que moi je considère comme meilleur pour l'équipe. Et donc ça signifie bien sûr qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, toujours. Mais bien sûr, on va aller à Marseille pour être compétitif. Et notre but, c'est de donner une grande joie à nos supporters. Vous avez été sélectionneur de l'Espagne. Là, les joueurs sont revenus de la trêve de mars avec énormément de blessures. Donc Barcola qui a été touché, 5 joueurs du côté de l'OM. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait repenser justement ce calendrier avec cette trêve de mars pour mieux préserver les joueurs
dans cette période de mars-avril avec des matchs cruciaux pour l'Europe ou le maintien selon les clubs. Merci. Je crois que c'est un thème sur lequel tous les entraîneurs et sélectionneurs nous sommes d'accord. Le calendrier est très très intense. Donc je ne vais pas être hypocrite, je ne l'étais pas quand j'étais sélectionneur de l'Espagne et je crois ne pas l'être maintenant non plus que je suis entraîneur du club. La santé est très importante pour le joueur, mais les blessures font partie de tout ça. Le calendrier, les voyages, la pression, c'est parfois difficile de tout accepter, de tout encaisser. Mais je crois que pour l'avenir et au présent, c'est un thème qu'on doit contrôler, afin de faire en sorte que les joueurs présentent le meilleur spectacle possible. Le football est un show, un spectacle. Et donc plus ils sont reposés et meilleure est la performance, et c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde, pour les clubs, les joueurs, les entraîneurs, mais rien de plus là-dessus. Le calendrier meilleur pour tout le monde, évidemment, ça ne dérangerait personne. Bonjour Louis, ici Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous avez posé la même question avant le match de coupe au tour précédent. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir les gardiens tourner pour ce match face à Marseille avant la demi-finale de coupe? Tout est possible. Vous me connaissez maintenant. Pourquoi pas? Tout est possible. Il y a une chose sur laquelle j'insiste beaucoup auprès de mon effectif, auprès de mes joueurs. Ton travail de professionnel, c'est d'être prêt pour l'échauffement, prêt pour une minute. Si tu as la chance de jouer, tant mieux, mais si tu ne joues pas, tu peux aider ton équipe depuis le banc, tu peux aider depuis les tribunes, tu peux aider pendant l'entraînement, c'est ton objectif, c'est ton obligation. Le reste, c'est un prix, une récompense. Mais c'est possible, moi je veux que tout le monde soit prêt. Peut-être que le match le plus important de l'année, les joueurs qui ont joué le plus ne les joueront peut-être pas, mais l'essentiel c'est que tous les autres soient toujours prêts. Gary De Jesus pour Stats Perform. Vous parliez justement que vous aviez des retours, Milan Skriniar, Marquinhos. Je voulais savoir comment vous gérez le fait que pendant l'absence de ces joueurs-là, il y a d'autres joueurs qui peuvent se révéler, comme Lucas Beraldo. Est-ce que vous privilégiez la dynamique ou l'expérience, voire le statut du joueur qui revient? Pour moi, c'est la situation idéale. Un joueur est blessé, il sort, et à ce moment-là, un joueur qui, en théorie, n'est pas dans le 11 de départ, rentre, il fait gagner des matchs, tant mieux. Donc si ce que l'on cherche, c'est qu'il y ait toujours la plus grande compétitivité, rivalité dans les entraînements, moi, c'est ce que je regarde, que chacun apporte quelque chose de plus, c'est vital pour l'équipe. Donc pour moi, cette situation est parfaite, et donc je gère ça de façon individuelle, en fonction de ce que mérite le joueur, en fonction de ce que je considère comme meilleur pour l'équipe, mais c'est une situation que je connais très bien, je l'ai vécue très souvent. C'est une situation qui, personnellement, me ravit. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que vous êtes adepte d'un football total, offensif, mais on peut voir certaines équipes qui jouent beaucoup à la baballe, beaucoup au ballon, sans avoir de résultats. On vous a vu amener beaucoup de verticalité. Est-ce que ce n'est pas une manière de rendre un football très plaisant pour les spectateurs, plus efficace d'apporter cette verticalité? En plus, un football très collectif. Merci. Je ne me souviens pas si c'était lors de la présentation ou pendant l'une des premières conférences de presse, mais j'ai toujours vu le football comme un spectacle, comme si tu allais au théâtre, au cinéma, tu veux voir un bon film. Et nous, on ne calcule pas sur le résultat, on ne tergiverse pas ni à domicile ni à l'extérieur. Ça peut aboutir à des résultats plus ou moins bons, mais notre intention, sans aucun doute, c'est de donner un très bon spectacle, de livrer, d'essayer d'être offensif. Et chaque match a le même objectif, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est évident qu'il y a des nuances, mais je suis assez fier de ça en tant qu'entraîneur, de savoir que mon message ne change pas, ne varie pas. Pour les joueurs, il n'y a pas de lecture entre les lignes, il n'y a à aucun moment l'intention d'aller faire match nul. C'est quelque chose qui n'existe pas dans mon référentiel. C'est une philosophie qui me plaît beaucoup et je crois que ça plaît beaucoup aux joueurs. Bonjour. Je voulais te demander si tu avais pu voir le match entre le Brésil et l'Espagne et si tu avais vu
Lamine Yamal, le joueur que tu vas retrouver avec Barcelone? Bien sûr que je l'ai vu, ce match, c'était plutôt Espagne-Brésil. Mais en général, je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas au PSG. Donc tout ce qui est calcul, ça y est, je ne sais plus parler espagnol, je ne sais pas non plus parler français. Donc tout ce qui est spéculation. Mais j'ai aimé, par exemple, j'ai aimé que les supporters de Madrid applaudissent un joueur de Barcelone qui a été applaudi. Et donc, et aussi qu'un joueur de 16 ans soit capable de sortir du stade de l'éternel rival et être applaudi, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me donne beaucoup d'espoir. Je voulais vous demander que l'équipe a peut-être commencé le début de l'année avec des doutes et que maintenant ils comprennent mieux ce que tu leur demandes, que l'équipe est plus compacte et que c'est maintenant que les choses se décident, la Coupe, la C1, la Ligue. Est-ce que c'est ce qui te semble essentiel, que l'équipe arrive avec à la fin de saison meilleure? Moi, j'ai une opinion très différente de celle des journalistes, c'est logique, tout au long de la saison. Le processus normal tout au long de la saison est logique. Au début, c'est toujours difficile pour le joueur d'assimiler l'idée sur le plan individuel et sur le plan collectif surtout. Mais depuis de nombreux mois, je vois des choses qui me plaisent beaucoup et je vois ce que j'avais envie de voir. Et je crois que, sans aucun doute, grâce à ce que je perçois dans les entraînements, je sens que tout le monde a pu aider au fil de la saison. Il y en a qui ont plus de poids que d'autres, mais je sens que tout le monde a cette option et est capable d'aider l'équipe à des moments déterminants. Et je répète que c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose qu'ils ont gagné. Mais évidemment, on a une part de responsabilité là-dedans, parce que pour que les joueurs se sentent importants, il faut leur donner du temps de jeu, pas du temps de jeu de mauvaise qualité, des vraies minutes, du temps de compétition de qualité. Ça va se passer, ça s'est passé pendant la saison et ça va se passer encore dans les deux mois qu'il reste. Et j'espère qu'on va pouvoir encore garder toutes ces options pendant jusqu'à la fin de saison. RTL, est-ce que, hormis la blessure malheureuse de Barcola, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de l'état physique dans lequel vous retrouvez vos joueurs après cette période internationale? Et est-ce que vous, globalement, est-ce que vous pensez que ce paramètre sera, cette fraîcheur physique sera un paramètre essentiel, voire décisif dans le match de dimanche? Je crois que pour pouvoir analyser l'équipe, évidemment, toute cette question physique s'est conditionnée par une saison qui est longue et qui a des hauts et des bas. Donc la préparation physique, c'est important. Vous disiez que parfois nos résultats avaient à voir avec la préparation physique, mais non, ça a à voir avec la complexité du football. Donc moi, je ne m'inquiète pas du tout de l'état physique des joueurs. Ils sont bien préparés et je crois que sur ce point-là, j'ai des garanties totales d'avoir une équipe capable d'avoir les meilleures performances. Et dans le futur, ça dépend évidemment de la réussite. À un moment précis, il y a une ligne très fragile entre gagner et perdre dans les compétitions qui nous restent à jouer. Alice Lefebvre de l'AFP, une question sur les Jeux Olympiques. Plusieurs entraîneurs se sont exprimés sur le sujet. Est-ce que vous allez libérer vos joueurs? Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas propriétaire des joueurs. Les joueurs ont un contrat avec le club. C'est évident que j'ai gagné une fois des Olympiades à Barcelone, dans mon pays. Donc, évidemment, ce serait bizarre de ma part. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut étudier chaque cas de façon individuelle. Et donc, évidemment, c'est difficile de faire l'Euro et les Jeux Olympiques. C'est peut-être, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens parce que les joueurs ont des responsabilités envers leur club. Mais je pense qu'il faut traiter chaque cas de façon individuelle. Et il y a aussi la liberté du joueur qui rentre en compte. Mais dans ce cas-là, moi, je suis assez ouvert et je laisse faire. Mais évidemment, il faut protéger les droits du club et moi, je suis là pour défendre mon club. Oui, bonjour, Loïc Tanzi, de nouveau pour l'équipe. Vous avez dit que vous avez apprécié voir le public de Madrid applaudir les joueurs de Barcelone. Est-ce qu'il faut comprendre que vous n'avez pas apprécié le public de Marseille qui a sifflé les joueurs du PSG?
Ça, c'était pour le France-Allemagne. Je l'ai vu. Ah. Moi, j'ai vu France-Allemagne. J'ai pas vu le match contre le Chili. Mais à chaque fois, je baisse le volume quand je regarde un match. Donc, j'ai pas entendu tout ça. Je croyais qu'ils avaient applaudi. Sí, gracias. Muchas gracias. Et voilà, c'est tout pour la conférence de presse David de Luis Enrique. Vous l'avez compris, c'est une équipe surmotivée du Paris Saint-Germain qui va se déplacer demain du côté du Stade Vélodrome pour un classique. David est le compte de cette 27e journée de Ligue 1. Yeah, match day 27 in the league, a motivated team that are ready to go. We're of course ready as well. Hopefully you guys at home are ready. Good weekend of football. Ouais, bah bon week-end de football à tous. On espère revenir sur la capitale, évidemment avec une victoire en poche, puis bon week-end de Pâques. That's it. Week-end prolongé. Happy Easter. Ciao. Salut, ciao.